Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria, et Muhammad et Ismaïl? Petit l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur. Mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra. Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère. Les massacres du peuple palestinien, que ce soit à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, et pour montrer notre solidarité et pour montrer que partout dans le monde, il y a des mobilisations, les citoyennes et les citoyens sont présents pour faire entendre les voix de la paix. Alors ce rassemblement, on l'imaginait sous forme de marche illuminée qu'on avait intitulée « Des lumières pour Gaza ». Pour justement déambuler dans les rues de Sens et montrer notre solidarité. Malheureusement, la préfecture, pour des raisons de logistique, de sécurité, etc., la préfecture et la mairie de Sens ont préféré que nous restions en rassemblement statique. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir partir en manifestation. On va rester en rassemblement statique. Mais l'important, c'est d'être là, c'est d'être présent, c'est d'être visible. Et puis, comme on a pu entendre des klaxons, on sait qu'il y a des gens qui soutiennent aussi la cause. Donc, nous sommes au 34e jour de guerre de l'État d'Israël contre Gaza et contre toute la Palestine. 34 jours qu'Israël soumet la population de Gaza à des bombardements d'une violence inouïe. 34 jours qu'Israël soumet les Gazaouis à un blocus total qui prive la population d'eau, de nourriture, de médicaments. Il faut bien se rendre compte quand même qu'on a des enfants, des familles entières qui en sont réduits à boire de l'eau de mer pour espérer étancher leur soif. Aujourd'hui, dans des hôpitaux à Gaza, en tout cas ceux qui fonctionnent encore, on pratique des opérations sans anesthésie par manque de moyens médicaux. À Gaza, on ne peut même pas fuir, on ne peut même pas partir pour justement espérer être sauvé.
On ne peut pas fuir ni par la terre, ni par la mer, ni par le ciel. Et en Cisjordanie occupée, parce qu'on n'en parle pas assez, donc c'est important de le dire aussi, la population palestinienne est soumise à une violence vraiment exacerbée, redoublée de la part de l'armée israélienne et des colons israéliens. Ce sont depuis le 7 octobre 173 Palestiniens assassinés en Cisjordanie. Il y a également des arrestations arbitraires, comme par exemple celle d'Aed Tamimi, qui est une figure internationale de la jeunesse palestinienne en résistance. Ce sont des humiliations quotidiennes et un blocage total du territoire. Donc on est au 34e jour de guerre, donc 10 812 Palestiniens assassinés par l'armée israélienne à Gaza, dont 4 412 enfants. Parce qu'il faut savoir qu'à Gaza, 70% des victimes sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Et dont 48 journalistes. Vous avez peut-être vu ces images atroces de journalistes qui tombent hein, littéralement en plein reportage. Il y a plus de 2250 personnes qui sont encore sous les décombres, dont 1350 enfants estimés. Et on en est à près de 29 000 blessés. Et puis, deux tiers de la population a dû quitter son logement. C'est donc près de 1,5 million de personnes qui ont été déplacées. C'est un massacre à huis clos qui se déroule sans témoins, mais aux yeux du monde entier. Et que fait la France ? En invoquant sans cesse le droit d'Israël à se défendre, en ne réclamant pas le cessez-le-feu, ni la levée du blocus, le président de la République se rend complice du massacre en cours. Nous avons honte pour lui, nous avons honte pour la France. Cette nouvelle catastrophe qui frappe le peuple palestinien est aussi une catastrophe morale, il faut le dire, il faut oser le dire. Une catastrophe morale et politique pour tous les États, dont la France, qui soutiennent Israël dans son entreprise de massacre et de destruction. Cette politique ne peut pas être menée au nom du peuple français, car elle fait honte aux valeurs de fraternité et de solidarité qui sont les siennes. Nous demandons le cessez-le-feu immédiat à Gaza, la fin des bombardements, la fin des offensives terrestres et des déplacements forcés de population, ainsi que la levée immédiate du siège et du blocus de Gaza. Nous exigeons que la France s'engage activement dans ce sens. Nous souhaitons rendre hommage à l'ensemble des populations civiles palestiniennes et israéliennes victimes de crimes de guerre, car chaque vie compte. Et une paix juste et durable, c'est vraiment ce message-là qu'il faut aussi faire passer, c'est très important, une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, de l'arrêt de la colonisation, de la fin de l'occupation israélienne, de la fin de l'apartheid, et dans le respect de l'ensemble de résolutions de l'ONU. Cessez-le-feu immédiat, arrêt des bombardements et des déplacements forcés de population, levée immédiate du blocus, protection internationale du peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie et dans tous les camps de réfugiés. Merci. En hommage justement à toutes ces victimes, quelles qu'elles soient, d'observer une minute de silence. Merci. Nous souhaitions également, ce qu'on essaie de, c'est important de diffuser aussi la culture palestinienne, puisque le peuple palestinien est un peuple qui existe, qui résiste et qui a une culture très riche,
qu'elle soit sur le plan de la musique, de la littérature, de l'alimentation. Et donc c'est important pour nous de diffuser cette culture populaire palestinienne et de diffuser vraiment des messages de paix, de résistance qui sont vraiment inscrits, j'ai envie de dire, dans l'ADN du peuple palestinien. Donc Youssef et Juliette, qui sont membres de l'association France-Palestine Solidarité, ont préparé des poèmes. Donc on va essayer de lire en arabe et en français. هنا عند منحدرات التلال حرام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاقلون عن العمل نربي الأمل. Ici, sur les pentes des collines, face au couchant et à la béance du temps, près des vergers à l'ombre coupée, tels les prisonniers, tels les chômeurs, nous cultivons l'espoir. أيها الواقفون على عتبات البيوت اخرجوا من صباحاتنا نطمئن إلى أننا بشر مثلكم. Vous qui vous tenez sur les seuils, entrez et prenez avec nous le café arabe. Vous pourriez vous sentir des humains comme nous. Vous qui vous tenez sur les seuils, sortez de nos matins et nous serons rassurés d'être comme vous, des humains. إلى قاتل لو تأملت وجه الضحية وفكرت كنت تذكرت أمك في غرفة الغازي كنت تحررت من حكمة البندقية وغيرت رأيك ما هكذا تستعاد الهوية. Un assassin. Si tu avais contemplé le visage de la victime, réfléchi, tu te serais souvenu de ta mère dans la chambre à gaz. Tu te serais délivré de la sagesse du fusil et tu aurais changé d'avis. Ce n'est pas ainsi que l'on recouvre son identité. لتغيرت الاحتمالات قد ينتهي الاحتلال ولا يتذكر ذلك الربيع زمان الحصار فيكبر طفلا معافى ويصبح شابا ويدرس في معهد واحد مع إحدى بناتك تاريخ آسيا القديم وقد يقعان معا في شباك الغرام وقد ينجبان ابنة وتكون يهودية بالولادة ماذا فعلت إذن؟ صارت ابنتك الآن أرملة والحفيدة صارت يتيمة فماذا فعلت بأسرتك الشاردة وكيف أصبت ثلاث حمائم بالطلقة الواحدة؟ Un autre assassin. Si tu avais laissé 30 jours au fœtus, les possibilités auraient été autres. L'occupation finie, le nouveau-né aurait oublié les temps du siège. Il aurait grandi en bonne santé, serait devenu un jeune homme, aurait étudié avec l'une de tes filles l'histoire ancienne de l'Asie. Et ils auraient pu s'aimer, donner jour à une fille, et elle serait juive de naissance. Qu'as-tu donc fait? Ta fille est aujourd'hui veuve, ta petite fille orpheline. Qu'as-tu fait de ta famille fugitive? Comment as-tu pu, d'une seule balle, abattre trois colombes? Merci à vous. Bravo. Ces poèmes sont... Donc ce sont des poèmes du poète palestinien Mahmoud Darwish et la traduction est d'un grand traducteur palestinien qui s'appelle Elias Samba. On va appeler, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début, donc ce rassemblement est organisé par l'association France-Palestine Solidarité de Lyon et soutenu par 12 organisations associatives, syndicales et politiques qui sont donc la Ligue des droits de l'homme,
le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, la Libre Pensée de Lyon, le collectif Sénonais de soutien aux exilés, la FSU 89, la CGT 89, Solidaire 89, le PRCF 89, la France Insoumise, le Parti Communiste Français et Europe, et, alors, les écologistes, anciennement Europe Écologie Les Verts 89. Donc les organisations qui le souhaitent peuvent prendre la parole et viennent vers moi. Je suis Parti Communiste Français de la Fédération de Lyon. Évidemment, il faut halte au carnage et cesser le feu immédiatement sur Gaza. Le gouvernement israélien a lancé une opération meurtrière contre la population palestinienne de Gaza. Près de la moitié des habitations ont été détruites. Je ne vais pas revenir sur ce que disait Anna, mais évidemment, les hôpitaux, les écoles sont visées. Un véritable effondrement humanitaire est en cours. Une partie de la population est contrainte à un déplacement forcé. Des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants périssent sous les bombes. C'est un massacre de masse. Ce sont des crimes de guerre. En Cisjordanie occupée, l'armée et les colons se livrent à de nouvelles exactions contre la population palestinienne et les odieux actes terroristes du Hamas du 7 octobre ne les justifient en rien. Netanyahou et les autres responsables devront en répondre devant la Cour pénale internationale. Rien n'a été fait depuis un mois pour stopper l'engrenage des tueries. La lâcheté et la complicité diplomatique ont donné un blanc-seing au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Il est encore temps d'agir. La résolution de l'ONU appelle à une trêve humanitaire votée par la France est un point d'appui. Mais la France doit maintenant concrétiser son vote en faisant pression sur le gouvernement de l'État d'Israël pour que la résolution soit mise en application. Alors nous exigeons, comme beaucoup d'entre vous, un cessez-le-feu immédiat avec la fin des bombardements et le déplacement forcé de la population et le retrait de l'armée israélienne de Gaza. Nous exigeons la libération des otages et la mise en place d'un corridor humanitaire pour acheminer les produits de première nécessité. Nous exigeons la protection de toutes les personnes civiles, quelle que soit leur nationalité. Nous exigeons la cessation de l'exportation d'armes en direction de l'État d'Israël et la suspension de l'accord d'association qui lie celui-ci à l'Union européenne tant que le droit international sera bafoué. Nous exigeons la levée du blocus de Gaza en place depuis 2007. Et nous exigeons une initiative diplomatique de la France pour une paix juste et durable sur la base des résolutions de l'ONU et en particulier la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 1967 exigeant le retrait des forces armées israéliennes et des territoires occupés. Nous exigeons enfin la reconnaissance de l'État de Palestine par la France sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem Est pour capitale, aux côtés de l'État israélien pour que les deux peuples réconciliés vivent en paix et en sécurité. Le PCF appelle à participer à tous les rassemblements qui se tiennent sur toute la France sur la base de cet appel avec l'ensemble des forces progressistes qui se battent pour la paix et la justice. Et pour ma part, permettez-moi d'avoir une pensée pour le dirigeant du Farah, du Marwan Margawi, emprisonné par l'armée israélienne depuis 2002. Il incarne pour les Palestiniens et la communauté internationale la figure d'espoir d'une réelle construction politique palestinienne et d'une issue de paix entre Israël et la Palestine. Et la jeunesse communiste depuis 2002 est en bataille pour effectivement obtenir la libération de Marwan. Pardon, excusez-moi. Merci à vous. La Libre Pensée de Lyon. Debout contre la guerre, courage. N'oubliez pas que malgré tout, vous êtes encore le nombre et que vous pourriez être la force. Que dans tous les pays, les gouvernements sentent grandir en vous la haine de la guerre et la volonté de revanche sociale à l'heure de la paix et l'heure de la paix sera avancée. À bas la guerre, vive la paix immédiate et sans annexion. Abrogation de la loi sécurité globale et de séparatisme. Bas les pattes devant la liberté d'expression, d'association et de manifestation, la Palestine vivra, la Palestine vaincra. C'était courageux d'avoir bravé la pluie. Gaza, enfants,
Merci à toutes et à tous et tenez-vous informés pour les prochaines mobilisations. Il y en aura, on ne lâchera rien jusqu'au cessez-le-feu. Et au-delà. En Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité.